L'ADN est le code de la vie. Cette molécule essentielle, héritée de nos parents, renferme toutes les instructions chimiques nécessaires pour fabriquer notre corps et le faire fonctionner. L'ADN se présente enroulé comme sur une bobine. Lorsqu'on le démêle, il ressemble un peu à un escalier en colimaçon. On le trouve dans le centre de contrôle de chaque cellule, appelé le noyau. Le code est divisé en chromosomes, sections d'ADN pouvant contenir chacune plusieurs milliers de gènes. Ces gènes contiennent les instructions nécessaires à la fabrication de protéines, ces innombrables molécules qui constituent et réparent les tissus du corps humain. L'ADN est constitué de deux brins entrelacés, faits de sucre et de phosphate, reliés en leur centre. Ces échelons sont constitués de bases azotées, représentées par les lettres A, T, G et C. Elles sont toujours regroupées par paires, A avec T, G avec C. Un seul défaut dans le code appelé mutation peut être à l'origine de problèmes comme le daltonisme ou de maladies telles que la mucoviscidose. Certaines maladies comme Alzheimer ou le cancer sont plus complexes et résultent de mutations sur plusieurs gènes. Elles peuvent aussi être liées au mode de vie ou à l'environnement.